Yeah! Bonjour tout le monde, bienvenue mon Bertrand. Ouais! Ouais, on va se marrer aujourd'hui, je le sens. Marcus, l'effaceur de Bébert. Berber, loser de Bébert, loser devant Marcus. Bébert, mais pas Berber. Berber. Okay. Alors, on a plein de trucs à vous expliquer. Il y a Bébert qui a une revanche à prendre sur Worms. Et, deux revanches. Et sur Out Trigger, où je l'ai un peu tollé. Et quand on vous explique, on va jouer aujourd'hui à. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Rumble Racing. Rumble Racing qui a l'air un jeu super dément. Regardez, ça explose de partout. Parce que, en fait, je devais tester ceci. Formula One 2001, qui est un très bon jeu, vraiment, un très bon jeu de Formule 1, mais ça me gonfle, j'y crois rien, c'est horrible. J'ai été la mort dans l'âme, j'étais en bas en train de me dire, oh là là, faut que je fasse le level 1 de Formula One. C'est un super jeu, mais c'est comme le foot, moi, la Formule 1, je suis allergique. Donc je me suis entraîné, j'arrivais à passer des courses et tout. Et c'est là que je suis intervenu. Et j'ai vu qu'à côté de moi, Bertrand est en train de jouer à Rumble Racing et que ça avait l'air génial. Et je lui ai dit, écoute, tant pis pour Formula One, viens avec moi, copain, et jouons, à Rumble Racing. Donc Beb a joué, t'as joué quoi, 10 minutes ? 5 minutes. Moi je l'ai jamais vu ce jeu, mais ça avait l'air rigolo. Donc c'est un vrai level 1. C'est un vrai level 1. Dans voilà. La collision du direct. C'est exactement ça, on découvre le jeu avec vous, on ne connaît même pas les menus, rien du tout. Si, le menu est marrant, regardez. Oui, on a vu tout à l'heure. Quand je vais sur annonce, c'est écrit. Au-dessus de sa tête, c'est ici. Choix pour voir des choses intéressantes. Oh, bah, alors on vraiment très vu, c'était les cinématiques. Donc comme on s'en fout de tout, on va directement dans le mode 2 joueurs. Voilà, ça a l'air d'être et on va se tirer la bourre. Hein. Ça a l'air d'être une grosse course qui tue. Allez, je sais pas ce que c'est face à face. On va tout essayer, on en a rien. Donc encore une fois, Formula One, achetez-le, c'est formidable. Non, écoutez, je sais pas. D'après Alexandre Nassar, oui. Qui est fan de Formule 1, le meilleur reste encore F1 97. Toutes les QV suivantes n'étaient pas vraiment terribles. J'ai trouvé une voiture, il y a écrit Maniac, elle a l'air super. Donc je suis en bas de l'écran, Beb sera en haut. Et alors regardez toutes les voitures qui sont à notre disposition. On les découvre avec vous, vraiment. Je sais même pas ce que c'est, regarde-moi. Ah non, c'est bloqué, d'accord, il y a un truc dessus, c'est pour ça. Prêt, allez, dépêche-toi. Je prends la Maniac. Et nous allons à True Grit. Tu veux aller à True Grit? Le premier, on va aller faire dans l'ordre. True Grit, ça. On va voir. Bon, alors vraiment, là, je vais tout donner. Là. Faut que je te batte. Et oui, parce que Bertrand a perdu lamentablement à Worms. Worms, je débutais. Outrigger, il avait le clavier et la souris, alors que moi, j'avais qu'une manette. Il y a des raisons. Là, c'est armes égales. Et là, il va rien comprendre. Armes égales, sauf que t'as joué et pas moi. J'ai joué 2 minutes. Donc, allons-y, je suis en bas de l'écran bébé en haut. Moi, j'ai une camionnette verte. Et moi, j'ai. Alors, attends, on va apparaître. Oh, j'ai une très belle voiture rouge. On ne verra jamais à l'écran tellement tu seras toujours dernier. Alors comment on sait qui est premier, qui est dernier? C'est écrit en haut à gauche de ton écran, vois-tu? En haut à droite même. Attends, moi je suis 2 sur 8, toi t'es 6ème sur 8. Mais je vais remonter. Oh là là, je vais me mettre dans une vue un peu mieux. Oh là là, il y a quelqu'un qui vole derrière moi. Donc le truc c'est qu'on peut couper un peu de partout, il y a des raccourcis. C'est un vrai jeu américain, dans le sens où... Non mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ils adorent tout ce qui est violent, tout ce qui est brutal, sauvage, qui se passe dans les routes campagnardes. Quand tu vas aux États-Unis en vrai, tu aperçois qu'ils conduisent comme en Allemagne, c'est des vrais paysans, ils sont très sages, ils déboîtent jamais, enfin ils sont très très calmes. On voit mes oreilles avec ma casquette là. Oui, c'est joli. Hein. Et merci Pierre Boulet-Rézé. et bref, comme je le dis si bien dans mon intro de mon texte que j'ai commencé à écrire. T'as commencé à écrire. J'ai même pas fini. Bon, première. Tiens, je vais lancer un bidon déjà. Déjà, Electronic Arts, c'est rare qu'ils fassent des jeux autres que des simulations sportives, sur console. Hein. Ouais, ouais. Sur PC, ils font énormément d'autres jeux, ils détiennent plein de trucs, genre Black and White. Mais sur console, on connaît surtout les Formula One 2012. Les Formula One qui sont très bien. Les Championship Bidule, les FIFA machin chose. Et voilà, je suis en tête. Hein. Vous l'avez remarqué, je suis en tête. Est-ce que tu mets ton bras ailleurs que sur ma voiture, s'il te plaît? Parce que t'es vraiment en plein milieu. Je suis bronzé. Hein. On voit que... Oh, alors, mais comment je vais faire? Là, comme ça. Ah voilà, c'est pas mal comme ça. Mais là, je vois ma tronche partout de ma voiture, bon sang. Mais... Ah, j'ai trouvé un bonus, je ne sais pas ce que c'est. Comment tu les utilises? Je sais pas, j'ai un truc dans les fesses. J'avais des étincelles en dos de la carrosserie. Et donc voilà, Electronic Arts, quand ils font des jeux autres que des simulations sportives, ça marche. Ça fait des trucs un peu bourrins, souvent, mais efficace. Okay. Et là, en plus, dans les boîtes, il n'y a aucune explication, aucun scénario. C'est vous êtes là, vous faites la course, il y a des armes, des bonus, des bagnoles super puissantes. Et c'est tout quoi, puis c'est tout ce qu'on aime finalement. Et je viens de sauter sur une mine. Bon Marcus, il est où? Hein? Je suis quatrième. Il n'y a plus rien là. Mais attends, déjà, il faut que je m'habitue. Il fallait que déjà je trouve l'accélérateur, c'était la première étape. Je t'ai rien dit. Ça, j'ai trouvé. Tu dis qu'il y a des raccourcis, t'as l'air de les connaître en fait. Bon, mais non. Oh la vache, moi je saute un peu dans tous les sens. Moi je balance des bonus sans savoir ce que j'en fais. Mais... Ah tiens, bah voilà, j'ai un truc là, je sais pas ce que c'est, un bouclier peut-être. Ah, il y a une voix de commentateur. Ah, regarde, j'ai une vue arrière et là j'ai une espèce de réacteur. Super turbulent. Il y a un truc pour faire des dérapages un peu contrôlés. Je dirais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On a fait du mal. Bon, fait du mal à mon Bertrand. Je suis deuse.
et moi je suis quatrième. Ah, c'est mieux hein, au volant des bagnoles comme ça que des Formule 1. Oui, ah, non, mais je te jure, c'était la mort dans l'âme, j'avais pas envie de faire Formule 1. Ouais. Mais encore une fois, c'est moi, Marcus, mes goûts de chiottes, etc., qui font que j'aime pas le foot et la Formule 1. Mais tous ceux qui ont joué à Formula 1 vous trouvent bien. On trouve un peu lent, nous, Formula 1. Tu te rappelles? Ah, moi, faut pas m'en parler, la Formule 1, c'est pareil, je déteste. T'es allergique, ça, vraiment. Alors, heureusement que j'avais mon copain Bertrand avec un jeu rigolo. Ça m'a un petit peu sauvé la vie. Alors, j'ai un truc, je ne sais pas ce que c'est. Tu veux pas me dire comment on utilise les bonus? Je t'ai déjà dit les grosses gâchettes, les languettes gauches. D'accord, et que ça? Pousse-toi. J'ai le muscle car. Ah oui, j'ai poussé une autre voiture. C'est moi, mais pourquoi j'ai de la fumée sur ma voiture? Je sais pas. Donc autant vous dire qu'on n'a pas révisé du tout et qu'on découvre avec vous. Il y a combien de tours? Parce que s'il y en a 1800, on va peut-être pas faire que ça tout le temps non plus. C'est en 3 tours. Troisième tour sur 3 apparemment. Ah non, je saute par-dessus le bonus, ça c'est vraiment pas légal. J'ai échappé celui-là. Ah je dois rater, c'est pas possible. Je passe pour un moins que rien. Je suis Marcus 2. Est-ce qu'on tu es mon fils spirituel. Un jour mon fils, tout cela sera à toi. Level 1, Game 1 et tout, tu verras. C'est un bon sang. T'es où toi? Je suis troisième, non, et t'es deuxième, alors arrête de te moquer. Ah, ça va, t'as un chapeau de bonus dans les champs de maïs. Je commence un peu à. Voilà. Oh, j'ai tiré sur hey, terre, oh, tu me fais quoi là? Tu m'as craché au visage ou quoi? Je tourne plus. Le crachat de la main, bah, ça t'apprendra. Tiens, bah, je passe devant toi, je t'apprends à dire du mal. Oh, bon sens, ça va chier. Oh, bon sens, bon. Oh non, j'ai balancé un bonus, c'est parti n'importe où. Allez, je vais me mettre dans la voiture, on verra mieux. Je suis deuxième, le problème c'est juste devant moi. Oh, je tente un dérapage pas mal. Ça fait un peu comme Ridge Racer, tu sais, franchement, les dérapages. Qu'est-ce que tu penses des sensations au volant? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Moi, j'ai une manette qui vibre en plus, donc on le sent encore. Tiens, regarde, je vais te tamponner les fesses, si tu permets. Allez, pan. Oh non! Est-ce que j'ai passé la ligne d'arrivée devant toi ou pas? Je crois. Joueur 2, c'est qui? Attends, c'était beau quand même. Je regarde la manette. C'est qui? Je suis joueur 2. Ouais, t'es arrivé devant toi. Je t'ai poussé. Pas mal. Est-ce qu'on peut voir, on pourrait revoir l'action, mais faudrait se taper les 3 tours avant de voir la dernière image que t'es rigolote. Juste revoir l'action un tout petit peu, histoire qu'on voit la tête des ralentis. Oui. Voilà. Allons-y. Donc j'ai gagné, dis donc. Bon, t'as gagné parce que je t'ai poussé, hein. T'as qu'à pas me pousser, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je savais pas que ça faisait ça. Donc elle a l'air bien sympathique cette course, hein, n'est-ce pas? Écoute, franchement. Non, les armes sont ultra bourrines, c'est des bidons descendants, c'est n'importe quoi qu'on balance devant, c'est rigolo. Les voitures ont la classe, je trouve. Bon, en même temps, on remarque surtout sur les ralentis, vous pouvez constater de l'aliasing encore une fois. Oui, c'est vrai, ça scintille un petit peu, les voitures sont pas très détaillées, les textures de la route et de l'herbe sont pas non plus très très fines, ma foi. Mais on s'en fout, on se marre. Mais bon, ça, on se marre, hein. Puis tant pis, ils n'arrivent pas à programmer cette console. Allez, on y va, on coupe le ralenti. Allez, donc voilà, on commence à comprendre un petit peu mieux tout ça. Mais encore une fois, c'est vraiment un level one, du vrai level one. C'est comme si on avait déballé le jeu de la boîte. Ce qu'on ne fait pas d'habitude dans level one parce qu'on a toujours peur de perdre un peu trop de temps et tout. Je sais pas, hein, c'est ton métier, j'en dis. Je vais quand même marquer mon nom pour qu'on sache que c'est moi le plus fort. Ah bah moi, j'ai mis pas. Vous avez battu le record du circuit, et moi aussi. Enfin, voilà. Donc voilà, très encore bien. Encore moins du tout, je me la pète. Hein. Je te laisse manipuler les menus, d'accord. Alors, on va voir ce qu'il y a ailleurs. Viens, coupe. Alors, dans Panthéon des As, on voit la Coupe Espoir. On voit la Coupe Espoir 2, la Coupe Espoir Electronic Arts, la Coupe Pro 1, la Coupe Pro 2, la Coupe Pro 3, la Coupe Pro EA, la Coupe Elite 1, la Coupe Elite 2, la Coupe Elite 3. Beaucoup de circuits. Ah, il y a Rodéo, faut absolument qu'on ait essayé ça. Oui, où est-ce que c'est? Alors, mets toujours 2 joueurs, hein, qu'on fasse à 2 joueurs. Mais voilà. Je sais pas si le Rodéo, on peut le faire à 2 joueurs. Si, regarde, Rodéo Pro. On va se marrer, ça va être génial. Tu sais ce que c'est ou pas? Non. Et toi, tu sais ce que c'est? Non. Voilà, je prends la voiture. Non, t'avais la verte tout à l'heure. Pourquoi je peux pas prendre celle-là? C'est tout caché. Je prends la Sim Camille. Non, je sais pas ce que c'est. Regarde aussi toutes les bagnoles cachées. Il y a une espèce de suppositoire à roulette là. J'ai vu une espèce de Batmobile. Parce que c'est censé passer dans le futur aussi, hein. On dirait pas, mais... Ah, d'accord. Oh, elle est classe, celle-là. Prends celle-là. Oh, la rose, là, la Cadillac rose. Mais elle est où? Elle change de couleur. Elle change de couleur. On peut peut-être... On les a en pro ou élite, tu vois, là-haut. D'accord. Donc, on reste en espoir. Bon, moi, t'as pris un pauvre circuit. Ah, bah, c'est pas le même que tout à l'heure. Non, c'est pas le même. Ah. Alors, pour faire des figures, c'est... Des figures? Pas de plug-in, montre. C'est cette touche là. Mais faut faire quoi? Allez, fin des figures. Mais des figures quoi? Je sais pas. Vas-y, à fond, mec. Tu passes par-dessus les trucs? Ah oui, je me suis retourné. Ça fait quoi? Je sais pas, un saut périlleux ou je sais pas quoi. Ah d'accord, donc là c'est plutôt genre Tony Hawk, qu'on dirait. C'est pas une course quoi. Voilà. Imparable, 500 points j'ai fait. Pas mal. Et comment? Ah, c'est des tremplins. Hop là! Faut-il faire la course? J'ai compris. Tu mets une direction en même temps, t'appuies sur le. Voilà, ça j'avais réussi. Regarde, 2500 points. Je t'explique comment on fait. Salte-toi avant. Non, c'est moi qui t'explique. Écoute. Oh, un accélérateur. C'est toi qui es là?
Mais c'est moi, je t'ai doublé là. C'est génial. Est-ce qu'il faut juste faire la course ou qu'est-ce qui se passe en fait? Non, on dit qu'on sait pas. Le plus de figures, bah on sait pas les gars. Donc on découvre. Allez, c'est parti. Encore une fois. Et j'ai raté. Oh là là. En vue extérieure, c'est plus dur hein, parce qu'on voit pas du tout. Ce qu'on fait, ouais. Un flip, deux flips gauche, s'il vous plaît, merci. À donf, c'est écrit. Tour de flip. T'as vu où c'est écrit à donf? Hop. Oh là là. Ouais. Je me suis trompé de... Magnifique. Ils sont jolis, c'est-à-dire qu'on se croirait en Terminator, tu sais, quand ils sont à la poursuite en moto dans les égouts. Oui, ils ont souvent ce genre de grand canal aux États-Unis, tu sais, avec de l'eau au fond. Des réservoirs, oui, on n'a pas ça, nous. On fait du tourisme, à Strasbourg. Du tourisme, en même temps. Allez, un tremplin, s'il vous plaît, je vais faire un truc incroyable. Salto arrière. Oh oui, joli. Salto, va en rater, peut mieux faire. C'est la réception qui est pas exagérée. Donc moi, je suis en bas, j'attends désespérément un tremplin depuis tout à l'heure. Ah, en voilà un, regardez, attention. Acrobatie, mesdames, messieurs. Et hop, juste sur le tremplin, magnifique. Voilà, je suis bien passé entre deux tremplins. Ah bah ça c'est un mur, donc on ne peut pas rouler. On peut passer à côté. On roule très mal sur les murs. Et là, est-ce que tu es repassé devant et est-ce que le fait d'être devant... Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de position là, c'est au point que ça marche. Tu vois, il ne reste que 43 secondes. Et moi je suis à 11 500 points et toi à 6187. Alors Pierre, c'est qui le plus fort? Ignition, et voilà. Et hop, bluffant. Comme dirait notre rédac chef, il aime bien ce mot-là. Ah bon? Ça vient de la presse écrite, souvent ils disent bluffant. Moi je trouve qu'à l'oral ça passe moyen. Si tu nous entends, Rodolphe. Oh, j'ai fait une frime, mais magnifique. Moi aussi, oh formidable. 1875 points. Non, je t'assure, t'as pas vu la mienne. C'était absolument magnifique. Ah, il y a comme un mur, c'est vrai. Je brille. Franck, il va pas assez maquillé, je brille de partout. Oui, c'est vraiment un level 1 préparé à deux balles, on est même pas maquillé. Regarde, on n'est jamais maquillé non plus, vraiment. Hop. Oh, superbe. 1875 points. Tenter de te rattraper. Mais c'est impossible de me rattraper, Marcus, tu sais bien. Je sais pas, le saut périlleux, ça fait bien quand même. Hop là. Oui. La classe. Tiens, 22 000, je suis à 15 000. Oh, moi, je te clate. Et j'ai du arrière encore, je peux te voir par le kéké. Je sais pas, mais je fais des trucs très jolis et je suis en train de te remonter la mine de rien. Ah, mais c'est peut-être vrai. Finalement. 19 000 à 22 000. Il y a un grand passage à vide sans tremplin aussi, il faut dire. Ah ouais, c'est vrai. Et là, on est en plein dedans. Plat hors temps. Bluffant, 1500 points. Hors temps, c'est rien de temps. Moi, j'ai fini. On dirait. C'est vrai? Ben ouais, pas toi. Attends. Regarde, je vais te rattraper dans la dernière ligne. Mais tu fais des diagonales. Tu vas faire des flips en même temps que des viral flips underground. Du vocabulaire technique de Jones. Ouais, je sais pas ce que je dis, mais fais des diagonales, tu verras que tu feras des... Ah, ça y est, alors fini. Combien? Oh là là, 24 937 à 24 374. Bravo. Joueur 2, c'est moi, je t'ai battu sur la fin. Écoute, et voilà, et monsieur le rire rigole. C'est rire machiavélique. Pourquoi t'es plus de temps que moi, déjà? Parce qu'à la fin, ah ben je sais pas. Donc t'es arrivé de premier en fait, tu dois faire 3 tours et faire le maximum de trucs. Ça m'énerve, oulala, je peux revenir dans l'émission. Tu reviendras, ça c'est sûr, tu reviendras. Et là, c'est nos derniers level 1 de l'année en même temps, donc voilà. Donc je te laisse gagner pour que tu partes heureux en vacances. Ah, mais c'est ça en fait, c'est trop gentil. Appuie sur fin. Dépêche-toi, allez, faut qu'on la fasse d'autres pour que je te batte. Je te sens tendu, mon bébé. Ça, je le prends bien. Alors allons-y, vas-y, refais course, encore. Une course. Et une course, championnat face à face, regarde, c'est quoi? C'est peut-être du. On se tape dessus. Deux joueurs en duel l'un contre l'autre sur un seul tour. Allez, allons-y. On tente des trucs, vraiment. Ce que je vais te mettre, encore. bon, allez, c'est parti. Attends, il est dégoûté. Silence. Taisez-vous quand je pense la vie. Bon, arrêtez les... On fait quoi? Cargo? So refine. Oh oui, très bien, celui-là. Ou passing through? Refine. So refine. Ça a l'air bien. Il veut pas Nordin. Ah, parce qu'on l'a pas ouvert. Vas-y, réessaye. Non, un son, voilà. Quand il dit Nordin, Beb, ça veut dire le Nordinateur. C'est Nordinateur. Voilà, c'est ça l'idée. J'aime bien, tu joues pas tout seul, tu joues avec Nordin. C'est plutôt sympa. Ouais, je trouve ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Nordin, c'est notre ami, il est toujours là. Pierre, enlève ma tronche de l'écran. Ça rigole plus. Oh là là. Déjà. Oh, le salaud, il joue avec nos nerfs. Il le fait exprès. Donc là, voilà, on ne sait pas trop, on dirait bien que c'est une course. Allez, tiens, je me mets en mode vue subjective. Moi aussi. En même temps, j'aurai pas les casser. Oh là, ça tourne. Oh, il y a un tremplin. Oh. Beb est juste devant moi, regardez, c'est quand même super beau et bien foutu et super bien éclatant. Beau, pas exagéré, mais ah bah écoute, c'est un peu ternasse quoi. Souvent les jeux sont un peu ternasses, je trouve. Moi qui n'ai toujours pas acheté PS2. PlayStation 2, parce que je trouvais pas de jeu qui m'éclate vraiment, bah là je trouve bien sympa. Alors, tu seras le premier à acheter une PS2 grâce à Rainbow Racing. Peut-être, je sais pas, mais je trouve bien. Ce serait une perf.
Il y a des raccourcis de partout, là, on rate tout. Allez, je vais passer par là. Ah, j'aurais pas dû. Je te suis. Oh non, moi, je suis un lemmings, moi. Je suis un lemmings. Il y avait un tremplin à droite, c'était tellement tentant, moi, je voulais y aller. Qu'est-ce qu'il fait, mon copain Bertrand? Ah oui, donc là, en fait, c'est une course juste entre toi et moi, il n'y a pas les autres adversaires. Et c'est un seul tour, hein. T'as un peu dépêché, Michel. Là, je suis dans un mur et je sais même pas où il faut aller. Pom. Oh là, là, c'est foutu pour moi. Moi, je crois aussi. Grosse, grave erreur. Moi, je vais balancer des bonus, idiot. Voilà. Où est la route, tu tombes dans un trou comme t'as fait brillamment tout à l'heure et je t'ai suivi. Non, c'est fini, je prends plus de risques. Ici, il faut gagner à level 1. Je suis déçu quand même. Je pensais que l'esprit level 1, c'était pas ça. C'était pas la gagne. Mais et là, je vois qu'il y a une collision entre Pierre Boulet, le réalisateur, et Marcus. Et dès que Marcus gagne, eh bien, l'autre se fait ridiculiser. Alors que pendant des années, Marcus a perdu sans que personne lui dise grand-chose, finalement. Et il a fallu que ça tombe sur toi. Voilà, en plus, ça tombe sur moi. C'est pas de chance. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas dit à la Reda qu'on a tiré à courte paille pour savoir qui se dévouerait pour aller perdre contre toi à level 1. Pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, c'est tombé sur moi. Bon. Mais ça me rend pas plus heureux de gagner, tu sais, en fait. De moi, mon bonheur, c'est de jouer avec mes amis. Vraiment. Et puis, c'est vrai qu'on s'éclate. Ah, il paraît qu'on a plus qu'une minute, il paraît. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai. Mon Dieu. Donc vous aurez vu un vrai level 1, peut-être, je crois je l'avais déjà fait une fois avec un jeu que j'avais jamais vu avant. Genre on était à la bourre et j'ai pris un truc au dernier moment. T'es arrivé? Ah, qui rigole Pierre, hein? Alors mais ça fait quoi tout ça? Bah ça fait 2-1 pour toi Marcus. C'est pas fini, c'est pas fini. Happy birthday. Bon voilà, bon bah on va s'arrêter là. Oui, mais on va recommencer une et puis je vous dirai dans le test comment ça s'est fini le level 1. D'accord, oui, voilà. Parce que voilà, je suis en train d'écrire le test, vous verrez si c'est bien ou pas bien. Ça a l'air pas mal quand même, on rigole bien. Et puis, allez, une course simple pour finir. Oh, n'importe quoi, on fait n'importe quoi. On vous donnera le résultat de cette course sur internet par contre. Dans mon test à la rentrée, parce que le test je fais maintenant, il passera en septembre. Oh là là. Et vous le saurez. Donc gros suspense, soyez là à la rentrée en septembre. Soyez sages, à bientôt. Salut, ciao. Bonne vacances. Allez, viens, mon bébé, rigole, on s'entraîne. C'est fini.